Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue sur Folle Folle des classes. Djaba maman. Folle Folle des. Folle B. L'ennul gotol. L'engal gotol. Der irab et un tedou de yit de Folle Folle des. On getta ma. On yelana ma hairu jitou di. On djaba ma handel soudou. Djangin Folle Folle des. La vidéo d'aujourd'hui porte sur les repas d'une journée en full full day. On va voir comment on dit, comment est-ce qu'on dit le petit déjeuner, comment est-ce qu'on dit le déjeuner, comment est-ce qu'on dit le dîner en full full day. La suite donc dans un instant les gars. Préparez-vous, prenez de quoi noter. Ce sera très intéressant parce que certains full day même ne connaissent pas ce que je m'apprête à dire là. Hein? Donc... Concentrez-vous et surtout ne sortez pas bredouille d'ici. Bonjour les gars, une fois de plus, bienvenue sur Full Full des classes. À vous les anciens, c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir ici. Les nouveaux, je vous souhaite une fois de plus la bienvenue. Soyez les bienvenus autant pour moi. Ici, on parle de culture. Ici, on apprend le full full day. Et ici, on cherche à sortir de la culturation. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure comme moi et comme les autres, alors tu n'as qu'à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Le contenu d'aujourd'hui donc sera basé sur les repas d'une journée en full full day. Le petit déjeuner, ça se dit kasitari. Le petit déjeuner en full full day, kasitari. Le petit déjeuner, kasitari. Maintenant, on va donc essayer de prendre des petits exemples pour rendre ça soft digeste quoi. Si par exemple je vais demander à ma soeur si elle a déjeuné le matin, je vais tout simplement lui demander Arasita ke fajirana. Arasita ke fajirana. Arasita ke fajirana. Pour lui demander est-ce que tu as pris ton petit déjeuner le matin? Arasita ke fajirana. Et d'ailleurs, les gars, n'oubliez pas que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Donc ne blaguez pas avec. Arasita ke na. Minkam mihasita ke. Mihasita ke. Donc, j'ai pris mon petit déjeuner. Mihasitake, j'ai pris mon petit déjeuner. Arasitakena, tu as pris ton petit déjeuner? Est-ce que tu as pris ton petit déjeuner? Arasitakena, est-ce que tu as pris ton petit déjeuner? On avait vu les pronoms personnels en full full day. Pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, je vous encourage fortement à mettre pause sur celle-ci et à aller regarder cette vidéo pour voir les pronoms personnels. Mihasitake, arasitake, ohasitake. Donc, pour aller voir les pronoms personnels et venir conjuguer le verbe. On passe. À midi, c'est le mbotari. Le repas de midi en full full day, ça s'appelle mbotari. Le repas de midi. Généralement, à midi, chez nous, les full day, on mange le couscous. Niri, c'est notre nourriture phare, quoi. Et il y a également plusieurs sauces. Donc, généralement, notre nourriture principale, moi-même, j'aime ça, et... Donc, regardez pas comme ça là, j'aime le niri. Niri, c'est le couscous. Oui, mi niri. Donc, on avait vu ce verbe. Je vous encourage également à aller regarder cette vidéo sur le verbe vouloir. La conjugaison du verbe vouloir. Mi niri de hako boko. Mi niri de hako boko. Cela veut dire que j'aime le couscous avec la sauce. Des feuilles baobab. Le boko, c'est une sauce donc de chez nous. Une sauce qu'on fait avec des feuilles de baobab séchées, qu'on pille et puis qu'on tamise. On obtient donc une poudre. Cette poudre donc, c'est avec laquelle on prépare la sauce. Et j'aime beaucoup ça. Parce que vraiment, c'est, ça a beaucoup de nutriments pour la santé. Vous connaissez les vertus du baobab. Je ne peux pas vous les citer maintenant. On continue. Je vous ai donc dit que j'aime le niri boko. Il y a également plusieurs nourritures chez nous, comme le folere. C'est toujours mbotari qu'on mange ça. À midi, le repas, le déjeuner quoi. Mbotari, le déjeuner.
Chez nous, les Fulbe, on aime beaucoup la viande. Donc, nos repas sont principalement faits à base de viande pour la majorité. On utilise la viande, même dans le boko. On utilise la viande pour faire le boko. Là, maintenant, on peut demander à une femme. Atimini defugo mbotarina. Est-ce que tu as fini de préparer le déjeuner? Atimini defugo mbotarina. Et peut-être elle dira et mitimini mi servo mana comme mi wadama nirina. Donc j'ai fini, je te sers wadama nirina, je te donne du couscous et moi bien sûr je dirais et on passe donc maintenant au troisième repas de la journée, le hirande le dîner. Bido defa hirande. Je suis en train de préparer le dîner. Bido defa hirande. Je suis en train de préparer le dîner. Maintenant, pour dire, par exemple, le matin, je vais dire Kéa mihirtaki. Donc, hier, je n'ai pas pu prendre mon dîner. Kéa mihirtaki. Hier, je n'ai pas pu prendre mon dîner. Kéa mihirtaki. Hier, je n'ai pas pu prendre mon dîner. Et on boit toujours le café. Vous avez remarqué, bon. Et le café, là, ça se dit chi. En fulfulde, on dit ti. Miyarei ti. Je veux boire le café. Miyarei ti. Et il y a donc cette manière spectaculaire qu'on prépare le café chez nous. C'est particulier, c'est la recette. Coca-Cola ne peut pas vous donner la recette. Donc, moi aussi, je vous donne la recette, les gars. Je ne peux pas. Oui, parce que si Coca-Cola vous donne sa recette, elle aura tout perdu. Donc moi aussi, je ne peux pas vous donner ma recette. Mais sinon, je vous rassure déjà, on a l'un des meilleurs cafés, quoi. Nous avons fini avec les trois repas de la journée. Nous avons dit qu'il y a Kasitari, Botari, Hirande. Kasitari, Botari, Hirande. Kasitari, Botari, Hirande. Comme vous le savez, les gars, les Fulbe ont beaucoup emprunté dans l'islam. Nous avons donc, pendant le ramadan, des noms spécifiques que nous accordons au repas. Le ramadan, vous savez, c'est un mois où tous les musulmans jeûnent. Nous avons donc deux repas pendant le ramadan. Le repas de l'aube et le repas du soir. Le repas de l'aube, c'est l'embairari. Le repas de l'aube, l'embairari. Le repas de l'aube. Donc, le repas qu'on mange avant le lever du soleil pour entamer la journée de jeûne. C'est ça, on appelle ça l'embairari. Bitimini defugo mbairari. J'ai terminé de préparer le repas de l'aube. Bitimini defugo mbairari. J'ai terminé de préparer le repas de l'aube. Miwairoto. Je vais manger le repas de l'aube. Miwairoto. Je vais manger le repas de l'aube. Le repas de 18h, c'est donc le sumtari. Et généralement, là-bas, on boit de la bouillie. La bonne bouillie, la meilleure bouillie camerounaise. D'ailleurs, vous savez, l'équipe prépare cette meilleure bouillie. Je ne me vante pas. Et une fois de plus, je ne peux pas donner, je ne peux pas donner la recette. Hein. Nous avons donc retenu qu'il y a deux grands groupes. Il y a les repas des jours ordinaires et les repas des jours où on jeûne. Donc, si maintenant, moi, je viens te dire que mi wairoto, tu sais ya, que je vais jeûner et que je m'apprête à manger le repas de l'eau. Si je te dis que mi sumto, ça veut dire que je suis en train de casser mon jeûne, donc je suis en train de prendre le repas de 18h30. Et misumto, midosumto, et misumto, c'est la même chose. Nous allons donc faire un petit rappel mémoire pour consolider les acquis. Trois repas, le kasitari, le mbotari, le hirande. Pendant le sumai, le mbairari et le sumtari. Le mbairari et le sumtari. C'est donc tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que le contenu a été assez digeste pour vous, les gars. Dites-moi dans les commentaires l'expression que vous aimez, le repas que vous avez retenu. Et surtout, n'oubliez pas, il faut adapter à votre langage journalier. Sinon, vous n'allez jamais maîtriser les rouages de la langue. Parlez autour de vous. Ceux qui sont autour de vous vous corrigeront certainement et sûrement s'ils connaissent mieux que vous. Et ça ne va pas. Dites-moi dans les commentaires, je viendrai répondre. Pour le pool des classes, pour notre culture, c'est Yeso.